que ce soit la fête. Sur le spectacle, la feu sur la revue. Ce soir, on a le trac, mais on devra s'asseoir dessus. Ce soir, pas de fenêtre, mais pour faire ta conquête, on fera tout pour que ce soit la fête. Attendez tous, la seule, unique, la vraie, Céline. Les mecs tièdes sont à chier, à vomir, à oublier. Le mec qui vous dit de belles paroles si chaudes que vous fondez, des mots sucrés enrobés de sérieux, du très sérieux, le mec qui vendrait des esquimaux aux esquimaux, c'est simple, vous fondez. Il vous prend la main, mine de rien, et vous dit « Vous avez chaud ». Il vous demande ça comme ça. Et vous, vous répondez « Un peu ». Vous êtes brûlante et vous dites « Un peu ». J'ai un peu chaud, c'est le manque d'air, le manque de vent. Je boirais bien un peu d'eau fraîche, une carafe entière avec des glaçons. Et il dit « Garçon, de l'eau fraîche avec des glaçons, s'il vous plaît ». Il dit ça en riant, un charme fou. Et vous vous dites « Qu'est-ce qui se passe là ? Pourquoi moi ? Non pas que j'ai pas confiance en moi, bien que je me sois fait baiser un paquet de fois. Baiser dans le sens avoir, je me suis fait avoir. Mais ça va de pair, généralement. Mais je me dis, en le voyant dire, en riant, glaçon, je me dis « C'est fou ce que j'ai envie qu'il me prenne dans ses bras. » Et c'est reparti le manège. Tout se passe comme sur des roulettes. Le premier soir. Puis c'est pas comme les autres, il rit. Et les gens qui rient ne jouent pas de double jeu, sinon ils riraient jaune, ils oseraient pas rire. Ils crient juste les sérieux. Mais lui, il rit et je me sens bien, nature, tranquille, envie de tout donner, de ne rien retenir, pas faire semblant, lâcher tout. Comme si je sautais en parachute. Et lâcher. Me laisser aller et me laisser flotter au gré du vent, de ses désirs. On part loin. Et on verra bien où on s'arrête. Le truc, c'est que l'histoire s'arrête vite. Déjà le lendemain, à sa façon de se rhabiller, de se retourner, ses gestes furtifs pour mettre la chemise dans le pantalon, de dire « Je t'appelle un taxi » avant d'avoir bu le café ensemble. « Je t'appelle un taxi ?» Non, non, on n'appelle pas, c'est bon. Je vais marcher, c'est bon. J'en trouverai un en marchant. Et il vous dit « Sur la droite ». T'en trouveras un sur la droite, au coin du boulevard, et une station de taxi sur ta droite. Ta droite, c'est ce « ta » qui tue. Et là, il rit plus du tout. Il est très sérieux, beaucoup trop sérieux. La moindre chose qu'il fait a de l'importance. C'est du sérieux de chez sérieux. Il n'a pas le temps, il n'a plus le temps. Et là, vous avez le parachute qui vrille en torche. Et vous tombez de haut. Vous avez tout donné dès le premier soir. Vous vous êtes raconté de la petite enfance à aujourd'hui, avec force détail, de A à Z, et vous tombez de haut quand il vous ramène devant la porte, le salaud, en regardant sa montre comme un rendez-vous chez le gynécologue. Il vous prend dans ses bras en regardant sa montre, sans vous embrasser. Il vous serre fort, trop fort, limite claque dans le dos, deux, trois tapes, gentil, gros chien, gentil, et il vous dit dans un souffle, « À bientôt, j'ai ton numéro, je t'appelle vite, c'est promis. » Ça veut dire ce que ça veut dire. « Je t'appellerai », ça veut dire « M'appelle pas, c'est pas la peine, je t'appellerai. » Et vous savez déjà qu'il sait déjà plus où il a foutu votre foutu numéro, le petit con. Tout d'un coup, il a rapetissé.
nettement moins beau, plus petit. Envie de lui mettre une gifle d'éducation comme un éclair, à quoi bon? Et digne, vous descendez les marches, envie de pleurer, velours d'époque, vous poussez la double porte vitrée, poignée dorée, vous appuyez sur le bouton de la grosse porte d'entrée, et ça sonne, un drôle de son, de claque, et vous la prenez, la claque, en pleine gueule, et vous marchez jusqu'à la station de taxi, les lunettes de soleil de travers, et il n'y en a pas de taxi. Là, un homme, jeune cadre, costumé, vous sourit et vous dit « À cette station, il n'y a jamais de taxi. À cette heure-ci, ils font l'escargot à l'aéroport. » Et vous, vous dites « Ah bon, ils font l'escargot comme ça. » Et vous fondez en vous. Et là, l'homme vous demande « Ça va pas ?» Et vous répondez « Ça va. Ça va mieux. » Ça va passer en remettant vos lunettes d'aplomb. Et ça ne passe jamais complètement. C'est pour ça qu'on prend des cachets, chérie. Pour que ça continue. Jusqu'au jour où on décide d'en finir. Ils ne savent pas que je suis une princesse quelque part, tous ces abrutis. Le prochain... Bien, alors. Et là, s'il y en a qui doit la croquer, c'est moi. Et avec quoi? Pas avec ce que tu crois. C'est sûr que de ce côté-là, elle ne fait rien avec toi. Bon, eh bien, passons à autre chose. Mm-hmm. Et voyons, voyons. Eh bien, voilà. Là, voici la plus belle histoire d'amour qui soit. Oui. Roméo et Juliette. Mettant ses pourpoints et ses robes foufouteuses au vestiaire. Et à qui tu penses pour jouer les Roméo et les Juliette? Mais ma chérie, pas à toi ni à moi. Non, mais à eux. T'es complètement malade. Je suis malade. Ah oui, complètement malade. Elle chante maintenant en plus. On va la mettre aussi dans le spectacle. Roméo, c'est quand même mieux que Pierrot, non? Viens avec moi danser, avec moi chanter, on va s'éclater. Oublie donc les soucis, dans mon monde en folie, allez viens aussi.
Laisse tomber aujourd'hui tous tes petits ennuis. Ce soir j'ai envie de rire, de m'amuser toute la soirée et me regretter. Quand la vie vous tend les bras, surtout où que tu sois, n'hésite pas. Oui, il faut à pleine dent, il faut craquer le dent comme un enfant. Car la vie est une merveille, elle chasse sans pareil tous vos tourments. Oui, surtout n'hésite pas, la vie c'est du bonheur, chaque jour au fond du cœur. Oui, surtout n'hésite pas, la vie c'est du bonheur, chaque jour au fond du cœur. Quand la vie vous tourne les bras, surtout où que tu sois, n'hésite pas. Oui, il faut rire et chanter afin de retrouver notre gaieté. Car la vie c'est du soleil, elle chasse sans pareil tous nos tourments. Oui, surtout n'hésite pas, la vie c'est du bonheur, chaque jour au fond du cœur. Oui, surtout n'hésite pas, la vie c'est du bonheur, chaque jour au fond du cœur. Chaque jour au fond du cœur. Tenancière de bordel. La grande Claude. Je dirais même mieux la reine Claude. Sarah Bernard. Tu ne me connais pas ou tu me connais très bien. De même pour moi, je ne sais pas qui tu es, mais on n'est pas là pour parler de toi ni de moi, mais de moi, du moi qui est en moi, c'est-à-dire de l'artiste. L'artiste, triste, gai, spiton, posé, ni beau, ni laid, presque insignifiant, parfois bon, rarement parfait, mais jamais sublime. Même si tu penses au fond de toi-même, tu as devant toi cet esprit doué et subtil, dans ce corps dont chaque partie est au service de l'art, et en particulier du théâtre. Oui, cet esprit sur des pattes est celui que l'on appelle l'artiste. Il y en a de toutes sortes, des faux et des vrais modestes, des techniciens de la parole qui vous débitent un texte sans hésitation, relevant le ton à chaque virgule, laissant tomber la voix à chaque point. C'est parfait, sans accroc, mais ennuyant au possible. Heureusement, il y a ceux qui ne se contentent pas de dire que des mots. Et s'ils semblent parfois être hésitants, c'est parce qu'ils vivent ce qu'ils disent. Il est vrai que les techniciens de tantôt trouveront cela un tantinet vulgaire, que le comédien est au service du texte, et pas le contraire. Je suis certaine que vous et moi, nous serons à l'unisson le temps d'une chanson. C'est une chanson qui ou d'une tirade qui serait certainement 100 fois mieux dite, par quelqu'un, mais qui n'aurait aucune âme. Ce serait comme manger un superbe roast beef sans les petits oignons, la pointe d'ail et le thym qui font de cette viande dans mes gouttes qui vous caressent les papilles avec des lisses. Comparer un texte d'auteur à un roast beef, il n'y a que l'artiste pour en arriver là. Lui qui toute sa vie se gavera de jolis mots, s'empiffera de belles phrases, se nourrira l'esprit de textes superbes, tel un épicurien dégustant mille festins. Lui qui interprétera aujourd'hui un prince, un clochard demain. Ou celui qui, malgré les pires ennuis de la vie, entre en scène avec un éclatant sourire, faisant croire que tout est beau, que tout est beau, alors que ce n'est pas le cas. Et pourtant, savez-vous qu'aujourd'hui, il n'aura peut-être pour tout repas qu'un morceau de pain rassis tartiné d'un reste de chocolat acheté en promo le jour même qu'un acquis à la date de péremption et qui traînera encore précieusement économisé derrière un reste de café sur le parfum, c'est le son vocal depuis longtemps.
envolé. Ou celui-là, qui, lorsque vous rentrerez chez vous, riant encore du cocu magnifique qu'il fut pendant 2 heures, sans savoir qu'il vit hors des feux de la rampe, la même situation, sans que cela ne fasse rire personne. Ou celui qui, 5 minutes avant le lever du rideau, apprend qu'un être cher vient de disparaître, un parent, un enfant, un ami, et qui devra sortir une histoire de nez trop long ou trop court, servant de perchoir à quelques volatiles. C'est là que le technicien apparaît, crachant les mots sans les penser, car il s'en fout, mais il s'en fout complètement de ce fameux nez. Nous pourrions vous en citer des exemples. Oh non. Mais nous ne le ferons pas, car tout ceci ne serait qu'un opéra pour Cabot. Combien ce petit chien dans la vitrine. Un opéra où le héros ne meurt pas. Car l'artiste, après sa mort, qu'elle soit sur scène ou réelle, ne disparaît jamais totalement. Il reste gravé dans les mémoires de ceux qui l'ont aimé ou détesté. Il entend toujours vos applaudissements qui l'ont fait craquer si souvent. C'est pourquoi on pourra dire, comme on le dit d'un roi, l'artiste est mort. Vive l'artiste! Ah, alors là, bravo, c'était formidable! Formidable! Toi, t'es formidable, alors, les gars. Non, mais c'est... Mais ma biche, mais ils sont sans sa chemise, super! Ah, ça sert à quoi d'être super? Sans public. Oh, je suis désolée, Claude. Je me suis laissée emporter par le rythme. Tu m'épates. Toi qui as toujours été un légume croupi sur une chaise, et là... Là, elle était formidable, formidable. D'ailleurs, je vais réécrire cette pièce directement rien que pour toi, ma chérie. Oh, je vais faire de toi une étoile, une immense étoile. Oui, c'est vrai, une chanson là-dessus, et c'est la consécration. La consécration. Rien que ça, tu... Bah oui. Voyez-vous. C'est parfait.
dans la vie, l'important c'est de se plaire vraiment, de se plaire vraiment. Je peux vous dire, oui, j'ai connu de jolies femmes, mais jamais je ne leur ai manqué de respect. Dommage. Je l'avoue, je suis comme ça. Eh oui, madame, on peut dire que je suis un homme raffiné. Pas comme toi. Je comprends. Vous êtes le modèle parfait. Bien élevé, attentionné, mari parfait. Un mari, c'est bien gentil, mais j'aimerais également qu'il soit un bon amant. Je ne sais rien de vous, mademoiselle. Je peux juste dire, vous avez de jolis yeux. J'aimerais en savoir plus sur vous. Bah, qu'attendons-nous? Dans vos bras, je me sens bien. C'est le but, voyez-vous? Vous êtes un grand coquin. C'est bien. Un peu d'humour dans la vie. L'important, c'est de se plaire vraiment. De se plaire vraiment. Puisqu'on se plaît. Tout est parfait. T'as vu comment elle bouge? J'ai surtout vu comment tu matais les fesses de la petite Céline. Oh. Encore une pour qui la consécration se fera dans ton lit. Ça fait 10 ans que ça se passe comme ça. Et il n'y a aucune raison que tu changes. Ouais. Mais je vais te surprendre, mon petit vieux. Vas-y, fais-toi la petite. Enfin, si elle accepte d'être consacrée par un dinosaure. Moi aussi, je vais m'envoyer en l'air. Avec qui? Bah, c'est pas que le privilège du boss. Ça fait 10 ans que ça se passe comme ça. Toi, tu aurais bien aimé te faire le petit. Oh, ne me dis pas le contraire. Je te connais. Eh bien, si tu disais Césarien, moi j'ai pris les devants. Et pour quoi faire? On a toujours tout partagé, sauf ta panoplie de mecs et de gonzesses. Il y a un début à tout. Et pourquoi tu fais ça? Pourquoi je fais quoi? Ça fait 10 ans que je supporte tout ça. Oui, c'est pas agréable, hein? Ton orgueil de mâle est bafoué, ta susceptibilité de femelle outragée. C'est rien à côté de la blessure qui est en moi et qui ne se cicatrise pas. Oui, je sais, c'est ma faute. J'ai tout accepté. L'amour, ça rend con. Ça fait 10 ans qu'on m'appelle Madame Cocu. Alors, elle en a eu marre, Madame Cocu. Et maintenant, c'est toi, Monsieur Cocu. Ça ne change rien à notre relation. Ce n'est qu'un arrangement de plus. C'est... Tu viens. J'ai envie ce soir. Je te laisse le reste de la faune. Tu feras connaissance. Passe une bonne soirée. Donne-moi le bras, mon chéri.